Allez, ça peut le faire. J'ai pris un mauvais départ. Je ferme un peu la porte. Et ça le fait. Faut toujours garder en fait un filet de gaz avec. Sinon tu perds complètement l'arrière en fait. Balance trop de poids vers l'avant et tu perds l'arrière. C'est ça qui est emmerdant sur cette voiture. Ça c'est pas bon. Trop freiné là. Pas grave. Donc là je vais me décaler. Faut pas qu'ils prennent l'aspi. Ah ils sont intelligents. Ils me suivent. Ah non c'est bon. Là, nickel. Là. Ah, pas bête. Ah, cette voiture, c'est l'horreur. C'est vraiment la... C'est la plaie. Alors que pourtant, c'est une bagnole exceptionnelle. Hein. La 4... Mais là, t'as, sur ce jeu-là, c'est de la folie. Le... Elle est pâteau à un point. C'est impressionnant. Je pense qu'il y a moyen de la régler, sûrement, pour qu'elle soit mieux. Je pense qu'elle a un très mauvais réglage de base, en fait. Ce qui est horrible, c'est ce virage-là. Voilà. Là on est bien. Allez, plus qu'un tour. Maintenir la pression. Là, faut pas qu'il y ait de flotte là. Hein. Je vois le gros nuage qui arrive là. Allez, on maîtrise. Ça va. Je me gourde de boutons. Allez, on safe-ise là. Voilà. C'est très couvert. C'est bon, putain. Moche, mais ça passe. Nickel. Wouhou. Eh ben, je suis pas mécontent d'avoir fini.
Ah, se regarder le petit ralenti un petit peu. Allez, voyons ce que ça donne. Voilà, très mauvais départ. D'ailleurs, je crois que je ferme la porte au premier virage, c'est un peu moche. Voilà. Ah, je rentre un peu, voilà, je cogne. C'est pas très propre. Ouf, on voit que les mecs n'ont pas été hyper propres derrière. Parce qu'en fait, cette caisse, elle est peut-être un peu souple en suspension, en réglage d'origine. Parce que t'as vu, quand on freine, on sent qu'elle part vraiment vers l'avant, quoi. Je serais prête à culbuter. Merci, Rod. Quand elle a un bon carrossage. Un peu dans l'herbe. Là. Le gros vibreur. C'est pas mal quand même. Et re Jonas, ah, t'es de retour au moment où je pense que je vais faire une petite pause, que je vais aller manger. Enfin, une petite pause, je vais même arrêter parce que ce soir je vais pas restreamer. En revanche, je pense que je restreamerai demain. Alors on sera peut-être pas sur Project Cars, histoire de changer, on passera peut-être sur Witcher, histoire de continuer un petit peu. On repassera sur Project Cars, je pense, dans le week-end ou dans la semaine prochaine. Histoire de varier un petit peu. Oh, reste de la course, ça allait. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Rod. En fait, t'as un point de non-retour. Quand elle a passé en fait un point, tu peux contrebraquer comme un malade, elle va revenir, elle fait un coup de raquette et elle est irrécupérable. C'est pas hyper simple, quoi. Il y a des caisses plus fun dans Project Cars, ça c'est clair. On aura d'autres courses avec parce que c'est que la première manche sur 3 ou 4 manches d'ailleurs je crois. Donc on n'est pas rendu. Mais bon, c'est bien une bonne première place, ça fait plaisir. C'est cool. Ok, bon bah écoutez, je vais couper le ralenti ici. On va continuer ici. Hop. La première place, ça c'est cool. Voilà, là ils sont blablabla contents. Super, déjà 3 victoires d'affilée.